Juste avant que cette vidéo commence, c'était juste pour vous dire que je m'excusais de la qualité audio. Donc en fait, je viens de recevoir cette caméra. Et comme je dis dans la vidéo, c'était aussi pour tester la qualité audio. Donc c'est pas la pire qualité audio du monde, mais c'est pas non plus la meilleure. Donc c'est juste pour vous dire que si c'est pas un son super net, c'est normal. Allez, bonne vidéo. Donc là, c'est censé filmer. Là, enfin là, je regarde mon retour quand même comme un débutant, mais là, c'est censé être la première chose que je filme de ma vie avec cette chose. Enfin, je suis un menteur parce que... C'est quoi, je vais... Il y a pas moyen que je mette ça. J'ai trop peur de la faire tomber. Pour ceux qui auraient pas compris, je vais m'acheter une caméra. Enfin, je veux que j'arrête de regarder le retour, mais je vais voir si mon image est nette, etc. Du coup, là, je suis en train plus de tester, un peu pour tester la qualité audio. Donc je vais essayer de parler, de marcher dehors, etc. pour voir comment ça va. Je vais vous montrer quel appareil je viens de m'acheter actuellement. Je viens de le recevoir, donc je l'ai pas acheté pour ma chaîne YouTube directement, même si je vais l'utiliser logiquement, parce que peut-être que je vais faire code Dr Nozman, peut-être que ça va. C'est incroyable ça. Peut-être que ça m'aidera à reprendre ma chaîne YouTube, parce que je suis en train de faire un room tour là. Eh, ça se trouve, je suis en combien d'FPS, on peut pas voir. Je vais aller dans les réglages vite fait pour voir quelque chose. Donc là, je suis censé être passé en 60 FPS, donc je sais pas s'il y a un petit décalage ou quoi, vu qu'il y a 10 FPS d'écart. Donc je vais vous montrer le bébé, donc je vais tourner ma cam là, hop. Enfin, le bébé, si on peut appeler ça un bébé, hein. Donc voilà ma caméra, je vais la tenir comme ça parce que j'ai quand même peur de la faire tomber. Donc c'est un Lumix G80 de la marque Panasonic. Donc voilà, donc c'est plutôt... Attends, on peut pas vous montrer de profil vu que c'est un miroir, lol. Mais vu que je suis à contre-jour, c'est pas ouf, mais peut-être comme ça on verra mieux. Ouais, là en plus il y a l'image de la... Il y a la lumière du soleil, donc voilà, la bonne caméra. Donc là c'est une vidéo qui a juste aucune préparation. C'est juste parce que là, c'est la première chose que je filme avec, hein, vraiment. C'est la première chose que je filme avec. J'espère que la qualité audio ça ira. Je vais essayer de faire un tour du haut dehors comme je vous ai dit. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté surtout. Même si je vais pas vous dévoiler exactement ce que je vais faire parce que c'est confidentiel. Non, c'est juste parce qu'en fait j'ai pas trop envie de... qu'on sache ce que je vais faire avec, même si je l'ai raconté à mes proches. En gros, je vais faire des vidéos sur une chaîne à part. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, donc je viens de commencer des études d'audiovisuel, donc des études de montage, parce que vous savez que je suis monteur, enfin j'essaie d'être monteur parce que j'ai envie de devenir monteur. Et en gros, du coup, je me suis acheté cette caméra pour pouvoir faire des vidéos avec mes... Enfin, surtout un pote, parce qu'on a surtout une idée de faire une chaîne et mettre toutes nos créations, en fait. Donc c'est plus... Ça va me servir à ça, à faire des vidéos pour les autres chaînes, mais je vais aussi l'utiliser comme caméra de stream quand je pourrais acheter le petit... Cam Link là de Elgato. Et aussi je vais essayer de l'utiliser pour ma chaîne, comme la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Donc je vais mettre un pull et puis go sortir, hein. Donc me voilà dehors, j'espère que la qualité... Là en fait, c'est surtout un test pour la qualité audio, quoi. Et là on dirait pas une vue un peu POV, genre. Non. Donc j'espère que la qualité audio ça ira. Il y a du vent. Oh, il y a des gens. Je vais y aller parce que j'ai pas envie de me faire voler. Donc voilà, je vais peut-être essayer de prendre les vidéos sur YouTube, c'est pas sûr, parce que c'est la 50e fois que je dis ça. C'est surtout pour faire des vidéos sur YouTube en tout cas, donc je vais peut-être pas reprendre les vidéos sur ma chaîne, mais ça sera beaucoup du créatif, et comme, enfin sur l'autre chaîne, et comme bah, j'ai ma chaîne, mon pote a sa chaîne, on va pas la mettre sur la chaîne de quelqu'un ou la chaîne de l'autre, on va créer une chaîne pour nous deux. Je suis super content, voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai acheté une caméra. Donc pour mes études, autant le dire maintenant, je suis en études en BTS audiovisuel option montage. Du coup, ce que je fais clairement, c'est du montage. Donc je vais essayer, en fait mon but c'est d'être monteur professionnel. Putain, casse les couilles ce chien. Ta gueule. En gros, on fait des cours normaux un peu comme au lycée. Bon, on est beaucoup plus libre qu'au lycée. Donc voilà, en gros, je fais vraiment du montage pur sur un logiciel qui s'appelle Avid. Donc le vendredi après-midi, le matin, on fait un peu d'After Effects, de Photoshop, etc. Pourquoi pas prendre des vlogs, tout simplement. J'aimerais même peut-être vlogger avec mon pote avec qui on va faire les vidéos, tout simplement. Ce serait des vidéos... Quand je vous dis des vidéos pures, ce serait pas forcément des vidéos style court-métrage, film, même si c'est possible qu'on en fasse. Ce serait des vidéos un petit peu parodiques, drôles, etc. Genre des parodies d'émissions ou quoi. Parce que ce qui est bien avec mon école, c'est qu'on a énormément de fonds verts, des plateaux, on a, enfin je vais essayer de vous montrer quelques vidéos que là je suis en train de mettre à côté de moi, donc je vais me mettre comme ça. Donc en gros dans ces vidéos là, ça c'est mon école, et il y a 2 ou 3 jours dans la semaine où on peut prendre le matériel de l'école pour en faire des vidéos. Donc voilà, ce qu'ils veulent eux, c'est vraiment former des gens qui veulent faire de l'audiovisuel. Du coup on va utiliser ça. Donc je vous balancerai le lien de la chaîne quand elle sera créée, parce que voilà, pour l'instant je suis en période d'entreprise parce que je suis en BTS alternance, donc je suis en période d'entreprise. Beaucoup de gens m'ont connu parce que je faisais les montages pour Oise. Après ma dernière vidéo actuelle, c'est je monte vos vidéos, donc voilà, mon but c'est de faire du montage. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris que c'était payant, parce que franchement, bah, tout travail mérite salaire. Par exemple, moi ça me fait un peu bizarre quand de pas payer mon pote quand il me faisait mes miniatures, donc c'est pour ça aussi qu'on a arrêté, etc. Parce que ça me fait trop bizarre en fait de pas le payer. Dès que ça va sortir, je pense que j'en ferai une vidéo aussi où j'ouvre une autre chaîne, même si mon but c'est pas de percer, hein. Mon but c'est de faire des vidéos, tout simplement. Je kiffe l'audiovisuel. Là, mon entreprise actuelle c'est ça, c'est faire du montage, faire des vidéos. Je me bute à
ça en fait. Actuellement j'ai pas aussi mon setup chez moi parce que je l'ai laissé à ma chambre là où est-ce que j'habite, parce que là je suis chez moi, chez ma mère, dans ma ville au natal. Le but ça va être juste de faire deux vidéos kiffées et de rentabiliser cette caméra parce qu'elle m'a coûté quand même vraiment un bras. Dites-vous là je suis en train de la payer en 4 fois parce que je suis payé grâce à mon alternance, c'est comme ça que je la paye. Dès que la batterie elle était chargée directement, je lance une vidéo. Il y a une vidéo que vous avez pas vu juste avant, j'ai tourné de 1 minute parce que j'avais oublié qu'il fallait formater la carte SD. Maintenant qu'elle est formatée, j'ai fait une petite vidéo donc, de 20 minutes de tournage, mais le temps de monter tous les moments coupés parce qu'il y avait vraiment un chien qui aboie. Je vais essayer de faire des vlogs si jamais ça vous intéresse, parce que bah, le gaming ça m'intéresse moins. Je joue beaucoup à Overwatch, mais ça m'intéresse moins de produire des vidéos gaming. Ce que je veux faire c'est créer. La qualité, dites-moi surtout si la qualité elle est bien, si elle est mieux qu'un iPhone, etc. Logiquement oui, parce que si vous me dites que vous préférez mon iPhone 10, j'aurai le seum. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un like, vous abonner, me dire si cette vidéo, ce style de vidéo vous a plu. Allez, ciao tout le monde.